Je m'étais trompé de bouton. Bonjour tout le monde. Bonsoir. Bonjour YouTube, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Twitch, j'espère que vous allez bien. Nous jouons à Minecraft ce soir. Incroyable. Mais vrai. Ce qui est aussi incroyable, et aussi vrai, c'est que Twitch n'a toujours pas validé nos emotes. Et j'ai juste envie de mourir. Ça dégoûte. Alors du coup, ce soir au programme, tout comme prévu, nous allons générer du courant avec du bacon. Posez pas beaucoup plus de questions, vous allez vous faire mal à la tête. Aïe aïe aïe. Soir, on joue pas au premier grand, plus rien à foutre. Les musiques sont encore une fois faites par Lily Pichu, hein, mesdames et messieurs, vous le savez déjà. Le lien est dans la description, enfin le lien. Le nom est dans la description si vous voulez accéder à ces musiques. On pourrait mettre le lien en web aussi. Hein. Je respecte beaucoup ce qu'elle fait. Très agréable. Bonsoir Izinko, bonsoir Cécile Langeagne. J'espère que vous allez bien. Alors, pouf. Alors oui, nous avions essayé ce truc-là hier. Et c'était une catastrophe. C'était claqué au sol. Sans ce qu'est Flo, sans ce qu'est Nanjoy. C'était nul. C'était mes nuls tiers. Donc. Ah oui, et on m'avait dit. Attendez, on m'avait dit pour mécanisme. Attends, regardez les relais. Oui, il n'y a pas de relais non plus. Hein, donc. Merci d'avoir tenté de m'aider, mais malheureusement, il semblerait que ce soit de la merde. Hein. Je sais pas pourquoi avec mécanisme, on n'a pas de pipes. Enfin, ça me surprend, mais c'est comme ça. C'est ce qu'il faut. Salut Laito. Salut, c'est ce qu'il y a. J'espère que vous allez bien. Salut Tatano, salut c'est ceux qui nous rejoignent, des bisous. Pendant que j'y pense, Tatano, Laito, ça vous dit de passer rangée 3 après le stream? Pendant que vous êtes là, je vous tiens, je vous demande. Ce soir, je suis mort DSL. Bon, quand même, voilà. Je monterai tout seul. Très bien. Donc, ça génère du courant parce qu'il accepte absolument tout en tant que combustible. Donc, on peut le laisser comme ça. Hein. C'est pas perdu. Hein. Il va générer du jus. Cependant, on a d'autres méthodes qui génèrent plus de jus. Enfin, je dis ça, mais je vais aller jouer à FF14, aller pêcher, donc... Sûrement pas passer en G2, enfin G3. Nous allons générer du bacon et transformer le bacon en énergie. Est-ce que dans la vraie vie, faire pousser du bacon sur des arbres déjà, ce serait pas déjà inside? Je vais vous avouer que si moi demain on m'annonce BX, on a trouvé une technique, on fait pousser du bacon sur les arbres. Let's go. Il y a toujours du champagne dans ce mug. J'aimerais vous le prouver, mais vous verrez rien avec la lumière. Mais... Attends, vous verrez rien du tout. Mais c'est du champagne.
Pourquoi? Pourquoi il y a du champagne dans mon mug de waifu? Si vous n'avez pas vu mon tweet, nous avons atteint un certain nombre de vues sur mes articles FF14. Là où l'ancien patron de Millennium m'avait toujours dit « Tu feras jamais de vues, mec, ça sert à rien de t'investir. » Et au final, on a atteint un chiffre avec plein de zéros. Et du coup, grâce à ce chiffre avec tout plein de zéros, bah, on a juste explosé la game, quoi. On a juste explosé la game. Et puis voilà. Donc c'était un petit anniversaire tout à l'heure de... On a explosé la race de Millennium en termes de vues en seulement 6 mois à peu près. Par contre, pourquoi est-ce que le twerk marche pas là? Parce qu'il fait nuit, c'est ça? C'est parce qu'il fait nuit, vraiment? Genre la nuit, ça impacte mon twerking? En même temps, normal que les gens regardent des pages du meilleur jeu du monde. Argument valide, je vais pas aller contre ça pour le coup. pour le coup, je n'ai rien à redire là-dessus. Du coup, j'ai un lit. J'ai pas posé mon lit cependant. Pardon. Éternuement sauvage, je m'en excuse. Ah, un achievement, nap time, sleep in bed. Achievement plutôt difficile à atteindre. Faites pas ça chez vous, hein, sleep in bed. C'est dur. Non mais attendez, du coup c'est... C'est une apple sapling, nique ta mère, c'est pas la bonne. C'est celle-là. Ah bah forcément, ça va beaucoup moins bien marcher. C'est ceux qui ont la rêve de ça va beaucoup moins bien marcher, vous êtes des boomers. Vous êtes des boomers. Non, je suis désolé, vous êtes des boomers. Sorry. Sorry à toute personne qui avait la rêve, mais vous êtes des putains de boomers. Ah, du coup, il me faut du bacon, et pour ça, il me faut des cochons, et pour ça, il faut... Une graine de cochon. C'est quand même un bon film. Je l'ai vu une fois par accident quand j'étais petit. Est-ce que j'irais jusqu'à dire que c'était un bon film? Pas sûr. Je m'en souviens pas assez pour dire que c'était un bon film. Ah oui, alors du coup, ce coffre-là, c'est éperdument de la merde, du coup, c'est sûr. Du coup, ok, boomer. Bah ouais, non, et moi, oui, vous pouvez, de toute façon, il suffit de regarder comment je m'habille, hein. Je suis un boomer depuis... J'arrive pas à m'en rappeler, mais ça me dit quelque chose. Ah. Le mec rentre dans une bagnole, l'autre bagnole se démolit et là il... Ah bah elle va marcher beaucoup moins bien maintenant. Et l'autre dans sa bagnole, en gros, bon, je vais vous spoil le film, hein, c'est honteux. Le mec dans sa bagnole, il y a des diamants et trucs comme ça de contrebande qui ont été planqués. Et du coup, en fait, le mec va se retrouver avec une voiture. Complètement pack-band. Salut Lightofen, comment tu vas? Et c'est très drôle. Ta-na-na. Est-ce que vous êtes prêts? 3, 2, 1. Voilà. Et là. Vive les macros! I need the cochon sapling. Voilà. Le reste, ça dégage. Ça va là-dedans. Ça va là-dedans. La bonne mille, on garde sur nous parce qu'on va en avoir besoin pour faire pousser les cochons plus vite. Pas mal, toi, tranquillement. C'était quel film? Le nom du film, j'ai oublié.
Putain, j'étais dessus il y a 2 secondes et j'ai oublié le nom du film. Je sais juste qu'il y a un autre. Ouais. Très cher ami de Funès. Le Cornio, ça s'appelle. Je me souvenais pas du nom du film. Poisson. Petit cochon. Deux petits cochons. Merde. Trois petits cochons. Et pourquoi on en a plein en rab là? Allô? On a un cochon infini. Ah bah non mais... Ah non, pardon, je voulais pas te taper. Oh merde. Bon, on a plein de bébés cochons. Je me demandais pourquoi le cochon a du feu dans la tête, mais c'est parce qu'il était sur une torche. Donc combien de temps ils sont prêts? Ils sont prêts dans 20 minutes, les cochons. J'ai pas de carottes à leur donner, donc nick. Dans 20 minutes, le chat. Ok. Dans 20 minutes. En attendant, faut qu'on prépare le reste. Parce qu'évidemment, il y a d'autres trucs à préparer. Ce serait trop beau, trop beaucoup facile. Donc tout ça, c'est bon. Dans divers, ça sera là-dedans, ça sera là-dedans, ça sera là-dedans, ça sera là-dedans. Le sapling, on le garde. Par là, ça pique, on la garde. Et du coup, il nous faut bah, le reste, en fait. Parce que là, on va générer des... Alors, attendez, parce qu'il faut réfléchir. Nous allons générer du bacon. Nous allons générer du bacon. Et ensuite... Enfin, on va faire un arbre à bacon, pardon. Et l'arbre à bacon, il produit quoi? Ah, il produit du bacon à l'état brut. Ça nous arrange. Le fait qu'il génère du bacon à l'état brut, ça nous arrange même beaucoup. Parce que du bacon à l'état brut, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de se faire chier à compacter les autres trucs pour faire du bacon. Parce que ça va être chiant à mourir. Parce qu'en gros, il nous faudrait une machine et la machine elle va consommer du courant pour faire du bacon. Et on n'a pas envie. Donc, on va se baser seulement sur le bacon pur pour l'instant. Donc il va nous falloir petite paille, petit cerveau, petite trash can. On met en black... Non, oui, on mettra en blacklist tout ce qui est bacon. Comme ça, le bacon ne peut aller que dans un endroit. Et comme ça, tout le bacon va dans le culinary generator. Donc pour l'instant, on a besoin de ça, plus du coup d'un truc à arbre avec un hopper, on a besoin d'un coffre, on a besoin d'un culinary générateur. Et on a besoin de pipes pour transférer le courant. Voilà la to-do list. Sachant que, il y a un truc que j'ai eu en tête qui m'a pop, je me suis dit je le dis à la fin et j'ai oublié. Eh bien je ne sais plus Nick, mais j'avais un truc en tête, ah oui c'est ça. Je voulais regarder pour faire du mulch, mais du mulch meilleur, qui nous augmenterait de 20-24% actuellement notre production. Donc pour ça, il faut du brown mulch, ok, et il faut du biofuel, et le biofuel, on a dit que c'était juste un crusher avec n'importe quel sapling. Ça vaut peut-être le coup de crafter un crusher. Ah oui, mais pour faire un crusher, il nous faut un metallurgic infuser. Et pour faire un metallurgic infuser, on a ce qu'il faut en réalité. On peut peut-être faire ça et puis tenter de mulcher le truc et que ce soit plus efficace. Ça peut être, I think, a good idea. Où est l'osmium? On a mis l'osmium quelque part. On a forcément mis l'osmium. Ah oui, là. Ah oui, c'est vrai que du coup, on ne l'avait pas rangé. We didn't ranger the osmium. Arrête. Laisse-moi en paix. Sois en paix avec toi-même et laisse-moi en paix. Voilà. Mais non, mais c'est chiant. C'est chiant de ouf.
c'est hyper chiant les arbres en fait. Dans le sens où ça produit plein de trucs. Enfin, c'est hyper chiant les arbres quand on n'a pas de drawer. Si on avait des drawers, tout serait beaucoup plus simple. Mais on est sur un modpack où on se fait nerf la gueule et il y a la moitié des mods, mais. Mais c'est pas grave, hein, on fait avec, hein. C'est juste que bon. Il y a plein de trucs où ce serait plus simple, mais vous me cassez les. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Pas besoin de vous faire un dessin, mais vous y allez fort dessus quand même. Oh putain. Voilà, c'est bon. Très bien, on n'y touche plus. On n'y touche plus. Maintenant, osmium, bif, paf, la pastèque. 35 d'osmium, humber. On n'aura jamais la lave pour keep up, mais peu importe. L'important, c'est que ça tourne. On s'en fout. Très bien. Et du coup, avec tout ça, l'osmium, c'est réglé. Il me faut deux fours. Il me fallait deux fours, un petit peu de redstone, je crois. Deux fours, ça fait 16, pas 20. Arrête, 16. Merci. Donc deux fours. Oui. D'ailleurs, pour ceux qui regardent les rediffs et qui mettent des commentaires, je vous trouve trop marrant. Parce qu'il y a des gens qui mettent des commentaires, du coup. Mais vu qu'ils regardent la vidéo en même temps, et ben ils mettent plusieurs commentaires sur la vidéo parce que ils mettent des commentaires au fur et à mesure. Et je trouve ça trop marrant. Je vous dis pas d'arrêter, hein, au contraire, c'est rigolo. Et c'est cool de voir qu'il y a des gens par contre qui mettent des commentaires sur les vidéos de Minecraft. Je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait du monde qui regarde les vidéos Minecraft. Donc c'est cool, ça fait plaisir, n'hésitez pas. Hein, ça... Vos commentaires sont lus et likés quand il y en a de rigolo. Donc don't ever hesitate. C'est vrai qu'il faut faire des demi, enfin faut faire des clics droits parce que sinon... Sinon tu ramasses plein de merde dans l'inventaire et ça m'énerve. Faudra vraiment qu'on trouve une alternative à tout ça. Quand on aura Applied, on va ranger toute cette production en fait. Et on va tout faire bufferiser par un coffre. Et on va tout tèche. On va tèche tout ce qui est pas valuable et... Enfin valuable en anglais, mais il faut que j'arrête de parler le franglais par contre parce que ça commence à se voir. Le franglais, ça commence à se voir. Ok. Donc, on a 48 d'iron. Problématique puisque nous n'avons actuellement pas la capacité de traitement pour ces 48. La lave on en a encore, très bien. Ouais, car JPP des sticks. Ah non, mais les sticks ça casse les coups. Non, mais faut être honnête et à un moment donné, les sticks ça casse les couilles. Il y en a partout et c'est un enfer. Donc là on est censé attendre que l'osmium il finisse de se faire traiter. Traiter de quoi, je ne sais pas, demandez-lui, mais. On fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, hein, écoutez. Moi je fais de mon mieux. Et pour ça c'est ce qui nous gêne, c'est plaisir de vous avoir. Tout à l'heure avec Volario j'ai fait des games de League of Legends. Et j'apprends à jouer Kindred en jungle, sauf que vu que je suis claqué en jungle, et bah apprendre un perso qui est en fait un ADC en jungle, c'est pas facile. Mais non, ça se fait. Alors, il me faut un nouveau bonsai pot. Et du coup, pour ça, il me faut... Bah, c'est bon, j'ai de la clé, en fait. Très bien. J'ai de la clé, j'ai même un hopper en RAM. C'est incroyable, en fait, ce qui est produit sur cette télévision. C'est absolument insane. Nous avons, du coup, notre bonsai pot, sur lequel on va mettre tac-tic-tac-tac-tac. Une petite... Enfin, un petit hopper. Il va nous falloir un coffre. Un seul, ça suffira normalement. Est-ce que j'ai encore... Oui, les câbles sont là, les cerveaux sont ici. Et il me faudra un cerveau de sortie. Enfin, le cerveau, vous savez, l'autre cerveau. Le cerveau... Mais non, ça s'appelle pas cerveau du coup. Arrobase thermal, c'est un... Ça s'appelle comment? Un filtre, d'accord. Ça s'appelle tout simplement un filtre. Ouais, mais d'accord, il me faut pour ça... Je crois que j'ai vu un truc qui m'a pas plu. Oui, mais le truc, c'est que j'en ai plus de canne à sucre. Parce que je suis en abrutix. Voilà. Parce qu'en fait, je suis en abruti. Et vu que je suis en abruti... I don't have the canne à sucre anymore.
Est-ce que je vous ai déjà expliqué sur cette chaîne qu'être con, c'était chiant? Vous en avez déjà parlé de ça? Et si je vous en ai pas parlé, être con, c'est chiant. Être chiant, c'est con. Le truc, c'est que du coup, ça me met dans une sauce. Et parce que du coup, là, il va me falloir du blé normal. Ah, ça me met dans une sauce. On avait que ça en... Enfin, peu importe. Qu'est-ce qu'on cherche? Des graines de blé. Putain, faut être multitâche hein, sur Minecraft. Hein. Si vous n'êtes pas multitâche, vous êtes mort. Bon, attendez, parce que là... Voilà, j'ai plus de bonne mille déjà. Non mais attendez, j'ai plus de bonne mille, mais je crois que j'ai assez de blé. Donc, en vrai, on va arrêter là, on va arrêter le massacre ici, voilà. Et par contre, il me refaut de la bonne mille, du coup. On arrête le massacre, mais on l'arrête pour le reprendre juste après, quoi. Notre truc à bones est là. Non mais... Eh, je vous jure, ça me trigger. Les sticks et les bûches et les feuilles et les machins, ça me... Ça m'irrite. Ça m'irrite. C'est... Mais la clé, on n'en génère plus dans ce truc-là, en plus. Donc on s'en défonce les... Si vous voyez ce que je veux dire. Ok. Et du coup, il me faut juste des glandes bonnes. Putain, j'en ai plus. Ok, parfait. Tellement sauvage. Yikes. Ok. Mais du coup, la clé. Je m'en fous parce que j'en générerai pas dans ce coffre. Et il faut rester zen. Surtout avec ça, faut rester zen avec ce système. Hein. Ok, voilà. Donc là, on est bon. Nice. Donc on peut jeter toute cette merde de notre inventaire, déjà. On va garder les saplings et ce genre de trucs. Juste pour les stocker au moins un petit peu. Mais le reste, ça dégage. J'ai pas la patience pour le reste. D'ailleurs, ça reste, ça reste. C'est pareil, toutes les feuilles là-dedans, faudrait qu'on les tège. Parce qu'à n'importe quel moment on peut refaire des feuilles. C'est pareil mais le bois là. Ah vivement applied hein. C'est pas ça que je voulais jeter mais tant pis. Vivement applied mesdames et messieurs. Je sais pas vous mais j'ai hâte. Où est-ce que j'ai mis les slime balls orange? Là. Ça va là-dedans. Qu'on a bonne mémoire. Il nous faut. Bah, il nous fallait la bonne mine, on a fait tout ça pour avoir la bonne mine. Ouais. En vrai, on peut tout prendre, on s'en fout. Quoi? Et du coup, on faisait ça pour. Oui, la canne à sucre. C'est dur. Hein. C'est dur les jeux vidéo. Hein. Ok. Alors, le vrai problème, c'est qu'on peut pas la faire pousser. Du coup, la vraie strat à 200$, c'est d'acheter 3 graines. La vraie strat à 300$.
Accident de parcours. Il y a combien de cochons qui se sont suicidés là? Pas trop, j'espère. Il y en a déjà pas mal qui sont morts, non? On en avait plus que 5. J'ai cette vague impression que je me suis fait niquer des cochons. Cette vague impression là que... qu'on a perdu 2-3 cochons dans le tas. Étrange, surprenant. Je me demande bien comment ça a pu se produire. On va rester là. Nice. D'ailleurs, League, ils ont partagé les changements qu'ils faisaient. Enfin, les changements qu'ils voulaient faire en partie pour la pré-saison. C'est assez sympa, j'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir tout ça. Parce que League avait définitivement besoin de changement. Oh. Donc ça c'est bon. La sapling on peut la ranger aussi. On a maintenant du papier. L'iron devrait, si tout se passe bien, se process. Parfait. Il me fallait Uno de Osmium de la même façon. Parfait. Donc maintenant, avec un peu de redstone, et si j'ai bonne mémoire... Nani ? Nanda Kolia. Ah mais non, mais il y avait des fours dans cette histoire. Pardon. Il y avait des fours dans cette histoire. Comme ça. C'était comme ça. Metallurgic Infuser. Metallurgic Infuser, ça veut dire que si je le colle à l'autre machine là, qui normalement génère un petit peu de courant, me dis pas qu'il va pas le prendre, il faut que je le colle derrière comme un mode de blé. Je dis pas. Vous énervez pas. Vous énervez pas, je m'énerve pas. Personne ne s'énerve, d'accord? Tout le monde reste bien zen. Je vous demanderai de rester zen, évidemment, même si c'est révoltant. Je lui donne de la redstone et je lui donne de l'osmium. Et normalement, il me fait ce que j'ai besoin. Inch'Allah, si tout se passe bien, il fait ce que j'ai besoin. Ok, parfait. Il m'en fallait combien? Pour faire... C'était quoi déjà? Crusher? Crusher qui fait du biofuel. Merde, cru. Cru. Crusher. Mais d'accord, mais j'ai demandé un U. Mais non, mais niquez-vous. Je veux savoir ce que ça fait. T'as gagné du biofuel. C'est ça qui fait du biofuel. Très bien. Et il m'en fallait deux, c'est ça? Il m'en fallait deux. Deux buckets de lave et... Ah oui, j'ai oublié. Tout va bien en fait. Tout va bien. Tout va bien. Tout va bien, c'est pardonné. C'est pardonné, tout va bien. Il me faut un bouton. Alors pourquoi est-ce que là tout de suite il me faut un bouton d'un coup? Vous inquiétez pas. Vous comprendrez peut-être quand vous serez grand. Quand vous serez de grands enfants, vous aurez peut-être compris pourquoi j'ai besoin d'un bouton. J'ai besoin d'un bouton pour le mettre là-dessus. Pour pouvoir faire remonter le truc. Pour pouvoir presser mon iron. On en est là dans les machines. Hein. Ça marche pas? Mais si, ça marche. Quoi, ça marche vraiment pas? C'est qui que j'encule?
présent, mais non. Tu peux le faire dans l'infuseur aussi. Ah oui, c'est vrai qu'on peut le faire dans l'infuseur. Mais c'est avec du... Oui, c'est juste avec du charbon. Ah oui, mais je peux le faire passer deux fois. Oui, non, mais je suis trop con. Oh, m'écoutez pas. Mais oui, non, mais oui, j'ai juste à faire ça. Puis je lui donne de l'iron. Il me fait de l'unrichad iron. Puis après, je leur fais passer. C'est... Tout à fait. Ah, même pas, c'est une seule fois. C'est pas censé être plusieurs fois. De mémoire. De mémoire, c'est Unrichad Iron into... normalement, c'est pas ça. Hein. Ah, mais ça doit être avec le minerai, peut-être. Ah non? Non, c'est juste dans ce modpack-là. Très bien. Me disais bien que... Me disais bien. Mmh. Très bon, ce champagne. Par contre, vu que je bois jamais, et ben, je mets 20 ans à boire. Et pour ça, c'est ce qui nous change, j'espère que vous allez bien. Allez, bonne nuit. Hein. En raison, ma chaise ne peut pas faire comme celle de PewDiePie, je peux pas me mettre à l'horizontale. Sinon, je serais parti me coucher. Mais... Malheureusement. Ah, d'ailleurs, on a peut-être une solution avec une collègue à moi pour que ce soit elle qui traduise mes guides pour Millennium France. Insane. Ah non, mais du coup, j'ai même pas besoin de faire ça. Ah, ah, Brutix. Tu peux me le cuire. Oui. Tu peux me le cuire vite. Non, moi, c'est l'inverse. Je veux pas beaucoup non plus. Mais je finis mon verre vite. Bah, c'est-à-dire que moi, l'alcool, ça m'a un petit peu dégoûté à cause de l'hôtellerie-restauration. C'est-à-dire que, comme je l'ai déjà expliqué plein de fois cette anecdote, à force de faire les soirées où j'aidais le prof au restaurant d'application avec les fameuses soirées de test œnologique et qu'il fallait finir toutes les bouteilles pour les faire disparaître et que du coup bah vu que moi je bossais pas et que les autres bossaient bah ils me faisaient boire pendant que les autres bossaient l'alcool ne me fait plus rien et me dégoûte un petit peu. Donc c'est un peu terrible. Au Kazakhstan, ils avaient essayé de me bourrer. Ça avait été incroyable. De grands moments d'e-sport. C'est les étudiants qui avaient voulu me bourrer. Et bah tous les étudiants roulaient sur la table. Et j'étais en mode, demain on a cours, je vous mets une de ces roustes si vous n'êtes pas là. C'était trop marrant. Parce que moi j'avais des étudiants et des étudiantes, elles étaient plus vieilles que moi. Donc t'es là. T'es là, tu es... Bonjour, je suis votre nouveau professeur, je m'appelle Julien. Je vais vous apprendre l'anglais. En anglais. Parce que je parle pas russe. Et... Bah à l'époque j'avais 21 ans. J'avais des élèves qui avaient... Il y en avait, ils avaient 27, 28 dans ces années-là, quoi. Donc, alors moi, j'ai toujours été plus à l'aise avec les gens plus vieux que moi, donc ça tombe bien. Et bon, j'avais des étudiants, tu les regardes et tu fais « Bah non, fait, ce que tu dis, c'est de la merde !» Et le mec, t'as regardé, ouais. Et bah yes, le mec se fait remonter les bretelles par un môme. Quel plaisir. Quel plaisir, évidemment. Très... Bon, ça c'est ce qui est dangereux. J'espère que vous allez bien. Ah, mais on est en septembre là. Donc, à partir de maintenant, nous sommes dans la zone où je fais ce que je veux et vous pouvez rien me dire.
sur un truc bien particulier. Ah putain, il me faut 4 de verre en plus, là. Et du coup, il va me manquer un de verre. Oh, j'ai envie de crever. Oh, j'ai méga envie de crever. Oh, ça dégoûte. Parce qu'il m'en faut un pour le filtre. Ah non, il m'en faut pas pour le filtre, je crois. Est-ce qu'il me faut un de verre pour le filtre? Mais le verre, faut que je fasse une... Faut que je mette une farm. C'est pas possible. Allez, cochon! Bonsoir. Alors, vous êtes né pour mourir. Je m'excuse. Parfait, il n'y a que toi qui a besoin de mourir. Vous avez de la chance. Votre pote vous a sauvé en lootant ce qu'il fallait. Remerciez votre pote pour son sacrifice. Maintenant, 4 de style. Qui c'est le plus stylé ici? Bah, c'est moi. C'est vrai parce que je suis tout seul sur la map. Moi, bah super, salut Ultracic, comment tu vas Ultracic? Je fais semblant de faire. Je fais semblant d'être surpris de t'avoir vu. Alors que je t'ai vu dans la liste des viewers depuis une heure. Mais bonsoir. L'illusion est parfaite. Eh ben écoute, tranquillement. Hein. La famille des amis. On taffe sur Millennium et ça fait du chiffre, quoi. Qu'est-ce qu'il faut de plus que ça? Qu'est-ce qu'il faut de plus que ça? Salut Max. Tranquillement et toi? Quel est le programme, niquer des mères? Comme toute la semaine, quoi. Globalement, comme toute la semaine. Voilà, les seules mères que j'ai envie de niquer, c'est chez Twitch, qui ont toujours pas validé mes emotes, mais il faut rester zen. Il faut rester zen. Ils ont un système inefficace, c'est pas de leur faute. Le système a été design comme de la merde, c'est pas de leur faute. C'est bien, on jette toutes les saplings partout maintenant. Mais je suis un abrutix. On en génère de la sugar. Ça t'écoute. Ça dégoûte. Très bien. Pourquoi on me sait tout ça? Pour du bacon. Ouais, tu savais, mais t'as rien dit, Light. C'est bad life. C'est vraiment de la merde ce bloc, hein. Ok, vous en doutez encore. Putain, mais c'est pas comme ça qu'on fait du bacon! Hein? Il est dans ce bain de sang. Allez, c'est les saluts. Bah, super! Ah, super, là, et toi, il prend la fuite. Comme un coupable. C'est les coupables qui prennent la fuite.
traître. Argument valide. Argument valide. Donc là, on va faire l'arbre qui serait sûrement l'arbre préféré de beaucoup d'Américains. Ah mais non, du coup, c'était bien une Apple Sapling. Je suis pas un Abrutix. Enfin, si, mais pas trop. Mais du coup, l'Apple Sapling, là, on en a plus après. Donc, faut qu'on la décuple. Enfin, la multiplie, pardon. Parce que ce serait ballot de plus en avoir. Alors qu'on en a besoin souvent. Voilà, on la multiplie. Très bien. Tadam, tadam. Tadam, tadam. Petit tadam. Et voilà, nous avons une bacon sapling, mesdames et messieurs. La sapling qui fait rêver les Américains. En partie, voilà. En même temps, moi aussi. Il s'appelle le wink tree. Comme un cochon qui fait wink. Parce qu'aux US, les cochons font wink. Enfin, en anglais, un cochon fait wink. Combien? Quoi? Combien il a dit le monsieur, là? Il a dit combien de bacon sur un arbre, là? Je te demande pour un ami. Ah oui, efficace. Efficace sur 20, le... Hop, pour salut. Très bien. Alors maintenant. On a dit qu'il nous fallait du brown mush, mais... Enfin, du brown mush, enfin, du mush amélioré, quoi. Et donc, pour ça, on va prendre des saplings dont on se bat éperdument les couilles. Genre les pétrifiettes dont on se sert plus depuis environ 21 ans. Une chance sur 4 de loot. Yes. Voilà. Et donc grâce à ça, nous avons généré de la merde. La source propre du terme. Hein. Du fertiliseur. Du compost. Très bien. Avec ce compost, nous allons améliorer notre mulch en un mulch yellow. Comment on améliore le mulch yellow en un mulch plus plus? Quoi? Ah oui, non mais... Oui, mais super. Du substrat de mécanisme. Bien sûr! Bien sûr, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Bah oui. Bah oui. Puis ta mère avec des couilles qui fait du ski. Pardon, excusez-moi. Le mécanisme, c'est un bon mode, faut juste faire gaffe à vos dents. Par contre, il me faut un culinary parce que sans culinary, je ne vais pas aller loin. Le principe de tout ça, ça fonctionne sur un culinary, donc sans culinary, on va pas faire grand chose. Obscur ce craft, mais c'est d'accord. Il fait l'info. Tiens, King Ganyan, je te balance de la stone. Je sais pas s'il est là, mais. S'il nous entend, il a de la stone. Parfait, 9. Ok. Une canne à pêche, une houe et un flint and steel. Ok, ensuite il fallait une houe et un flint and steel. Ok, normalement mes comptes sont bons. Si on est tous strong, on est bon là. Mesdames et messieurs, je pense qu'on est tous strong. Et oui, we are too strong. Parfait. Générateur à Hardly Nowhere. Ok, j'ai pas la vanne. J'ai pas la vanne qu'ils ont essayé de faire, mais c'est la queue. Ok, donc on a le culinary. Maintenant, le culinary, on lui dit. Bonjour. I would like you to get the things.
The things that get out from here. But before that. I need to do it the long way. Exactement, c'est bon, I got it. Là, on met une trash can que j'ai pas fait sur moi. Ouais, j'ai pas besoin de le faire si long que ça, je peux raccourcir. Et il me fallait quoi d'autre? Attendez, je viens de réfléchir à un truc. Et j'ai déjà oublié. J'avais un truc en tête et je l'ai instantanément oublié. Un Crescent Hammer, mais j'en ai pas fait. En fait, je n'ai pas crafté de Crescent Hammer. Très bien. Donc maintenant, on prend un filter. On lui dit bonjour. Tu n'as pas le droit de passer le bacon. Là, on lui met bonjour. Tu n'as le droit de sortir que le bacon. Blacklist, ok. Bacon, whitelist, ok. Maintenant, on lui met un four. Enfin, un coffre, pardon. Et on lui dit bonjour. Tu sors absolument tout. Après, on lui met ça sur la gueule. On lui prend notre mulch. Notre mulch. Notre mulch. Enfin, vous appelez ça comme vous voulez, je m'en. Voilà. Et donc là, je génère du bacon. Le bacon qui est produit instantanément comme du bacon va tout droit. Tout ce qui n'est pas du bacon va à droite. Sur le papier, on est bon. T'aurais pu faire deux cerveaux. Un qui blacklist le bacon et l'autre qui le whitelist. Tu veux dire en sortie? Tu veux dire je faisais juste un cerveau sur chaque phase? Enfin, sur chaque face? Un qui sortait le bacon qui allait directement en face. Un qui sortait tout sauf les bacon qui allait là. Et puis comme ça, je gardais plus de plat. Enfin, ça m'évitait de mettre du système là. Et puis j'économisais le fait de faire des cerveaux. Je craftais pas de cerveau. C'est vrai. C'est vrai que j'aurais pas crafté de cerveau comme ça. Argument valide. Argument valide. Trop compliqué pour toi peut-être, là. Et après tout, t'es un noob et t'as pas de cuis. C'est ça le problème. Laito, il a autant de cuis qu'il n'a d'art de chasse sur Monster Hunter. Très. On t'aime, Laito. Tu sais ça. Oula, ça fait pas beaucoup. Attends, ça fait pas beaucoup. Ça me perturbe, Laito. Ah, putain, c'est vrai qu'il y a Laito qui est Light sur lequel j'ajoute un O. Et il y a Laito qui est Laito Fund. Tu sais qu'en plus, on parlait de toi tout à l'heure avec Volario sur Discord. Parce que j'étais en vocal avec lui sur LOL. Et je lui dis. Oui, et puis je lui dis au moins on fera du Monster Hunter avec un vrai pote, genre Light. Parce que je dis tout le temps que Volario c'est un faux pote. Et du coup, je lui dis Laito. Et il fait, mais Laito, c'est celui qu'on connaît. Je fais, de quoi? C'est celui qu'on connaît. Lequel? Il fait, mais celui qui fait du DBD. Je fais, mais non, c'est l'autre. Et en fait, du coup, il a regardé sur Discord et il a vu que vous étiez les deux Laito, l'un en dessous de l'autre, du coup, sur Discord. Alors, bref, très, très, très rigolo. Très rigolo. Les Laito, quoi. C'est insane. Du coup, comme vous pouvez le voir, on a déjà produit énormément de jus. C'est plein en fait. C'est plein. Du coup, maintenant qu'on produit plein de courant grâce au pouvoir du bacon, nous allons pouvoir nous mettre à faire Applied Honor Justice. Because I have ras le cul.
of the bullshit in my inventory. So we need the applied. And to do the applied, we need the silicone, en fait. J'ai intité que avant toute chose, il va falloir du silicone et que silicone. On a nous, on se paye du si. Ah, c'est bon, c'est cadeau, c'est gratuit, c'est du quartz. Très bien, c'est la maison qui régale. C'est vrai. Tu automatiseras? Oui, parce que du coup, il va falloir automatiser le process de transformer les trucs d'arbres en ressources sans avoir besoin à se casser le cul à le faire soi-même. Ou sans avoir besoin d'utiliser de crafter. Donc, I think I will automatiser. Et c'est pour ça, évidemment, que toutes celles et ceux qui savent automatiser Applied sont nécessaires sur ce stream et vont donc, évidemment, bien sûr, se pointer sur tous mes streams quand je fais du Applied. C'est évident. C'est pas une question. J'ai demandé l'avis de personne. Je vous disais juste que ça allait se passer comme ça. Ah, le bacon, ça ne se cuit pas? Ah, il est déjà cuit. Eh, c'est un arbre qui fait pousser du bacon et qui le cuit. Par contre, en fait, le bacon, on s'en fout parce qu'on a déjà un truc qui se mange plus vite et qui est mieux. Donc ça dégage. Du coup, je peux pas aller alors face enfin, et cuit. Exactement, là, et tout. Aussi triste que ça soit, en effet, l'être sous-développé actuel ne nous aide d'aucune utilité. Tata ne fait pas trop le malin derrière parce que. Le jour de la distribution, t'étais pas loin. Le jour de la distribution, Tata ne. Hein? Super. Ah, mais je sais pourquoi on parlait de vous tout à l'heure sur le Discord. On parlait de vous avec Volario parce que. Je sais plus ce que je lui ai dit. Il fait bah super, ça clash les potes. Et je lui fais si tu veux savoir ce que c'est de clasher les potes, pointe-toi sur un stream de Monster Hunter et tu verras la différence avec les boys et la bienséance qu'on a entre nous, évidemment. La distribution du QI. Et du coup là toi t'as un mode Batlidis. Si seulement on avait les émotes de Twitch. Enfin si seulement Twitch se sortait avec du cul et nous validait nos emotes, on aurait pu mettre une petite emote avec le canard, ça aurait été incroyable. Enfin la gouze, ça aurait été incroyable. On m'a jamais trop trash, je suis trop parfait en Lulu. Ouais bien sûr. Bien sûr. Ah, attention, on va MLG, vous êtes prêts? Très bien. Très bien. Cosmo de Pâques qui te sauve là. Ah, et apparemment notre ami Ultracic qui était déjà en mode yes, il est crevé. Et bah, yes, il est mort. Terrible histoire. Carriette by the mode pack. Mais c'est bien en fait, j'ai l'impression de pas faire de Minecraft tous les soirs. Je crois qu'il faut que je vous fasse du truc en quinconce en fait. Parce qu'il y a plus de gens quand on le fait en quinconce, ou du moins les gens parlent plus dans le chat. Très bien, c'est validé. Il faut que je vous manque pendant 24 heures, c'est ça? Vous parlez plus dans le chat quand je vous ai manqué. Invalide, il y avait trop de blocs d'eau. Quoi? Comment ça, invalide, il y avait trop de blocs d'eau? Vous voulez que j'atterrisse dans ce bloc-là précisément? Vous voulez qu'on le refasse et j'atterris tout pile dans ce bloc? C'est parti. C'est le fait d'être sub qui fait parler. Bah yes. Aïe. Oh putain. Oh, je me suis tapé la cheville. Aïe aïe aïe. Ah ouais non, je suis pas réussi.
C'est trop dur de viser quand il y a plus que qu'un bloc. On sent tout ça, c'est qu'une range, je crois que c'est bien. Ah, c'est fait. C'est fait, là vous l'avez vu. J'attends dedans, trop fort. Je vais te péter les genoux. Et il me faut du quartz. Genre plus que 1. Hypothétiquement, il m'en faudrait plus que 1. Là, tout de suite, sur une échelle de 1 à 10, 1 c'est pas assez. Et bon, c'est pas grave, puisque le silicone c'est pas si pressé que ça. Puisque. Il faut quoi à part du silicone, mesdames et messieurs? Il faut des presses. Ah, il y a un plate énergistique de stuff aussi. Ah, nice. Et donc, pour faire des plates, il me faut du mol. Hein? C'est pas les mêmes à chaque fois. J'ai besoin de plus de champagne. Ah, ça dégoûte. Qui c'est qui m'a notifié sur mon deuxième compte Twitter? Vous saviez que j'ai un deuxième compte Twitter? Did you know that I have a deuxième compte Twitter? Oui, exactement. Est-ce que j'ai besoin de vous en parler de ce compte Twitter? Est-ce que j'ai besoin de vous en parler de ce compte Twitter? T'es sûr que c'est la seule façon parce que te faut la chip qui se craft avec la presse? Non, parce que ça se craft pas avec la presse, ça se craft avec ça. Bah yes, faut du boron. Hey light! Hey light! Light! Laito? Le fameux Boron. El famoso Boron. Par contre. Non, attendez, par contre. Par contre, j'ai un petit un truc qui me plaît pas trop là. Dans la catégorie des trucs qui me cassent les couilles. Il faut Non, c'est pas le tof à l'œil le problème. Ah non, 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 non. Le tof à l'œil, c'est pas un vrai problème, ça. C'est quoi le tof à l'œil? Comment on fait du tof à l'œil? Tof à l'œil, c'est... C'est pas un vrai problème. C'est pas un vrai problème, je pense qu'on a... C'est pas un problème. C'est pas un problème, le tof à l'œil. C'est pas ça, le problème. Il faut une vraie smelterie. J'ai pas de vraie smelterie. Ce qui est un problème. ce qui est évidemment un problème. Le fait de ne pas avoir de vraie smelterie, c'est en effet un problème. T'as assez de boron pour Toffoloy et la chip? Ouais, je pense que je suis large en boron. J'en ai 12, 24, 24 c'est large, je pense. Il est où mon lit? Ah là-bas. Je suis en mode oula. Aveugleman. Hop là. Voilà. Il peut plus. Du coup maintenant, il est temps le chat. Il est temps pour le daily carré. It is time for the daily carré. So we are doing a nouveau carré ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça va, là, t'as réussi à suivre? Je compte plus doucement pour la deuxième fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ah merde, j'ai perdu le compte du coup. Merde. Ah, Tenkai qui nous dit 10. Merci Tenkai. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On est 10, 11, 12, 13. Cobalt dans la smelterie de porcelaine pour obtenir de la série de briques. Ah, nice. Merci Xena. Et bonsoir du coup. Et bonsoir Tenkai du coup. Bonsoir, en effet. Les Lurkers. On vous aime les Lurkers. Hein. Vous savez que les Lurkers, vous êtes cool. Est-ce qu'on vous avait déjà dit que vous étiez cool les Lurkers? Vous êtes cool les Lurkers. Qu'est-ce que t'as là, Ethan, quoi? Alors que ceux qui commentent. Mais non, mais ceux qui commentent, on les aime aussi! On les aime encore plus, c'est juste qu'on aime aussi les Lurkers. Ma vache s'est suicidée dans ma smelterie. Ça, c'est parce que tu t'es foutu de ma gueule la dernière fois que mon poulet s'est suicidé. Ça, c'est parce que 100% c'est parce que tu t'es foutu de la gueule de mon poulet qu'il s'est pendu. Le poulet s'est pendu. On a un poulet. Il venait de naître. Et dans le chat, ça me dit: mais Beiksaki, tu fais lui un enclos, il va se suicider. Je dis: mais non, il va pas se suicider. Je me retourne, il est mort. Je me retourne, il était tombé ce bâtard. En une frame, quoi. Il a pas tenu 2 minutes sur l'île, le plus. Écoute. Ouais, il venait pas de naître, en plus, je venais de le ramener de la Twilight. C'était le poulet que j'avais kidnappé de la Twilight Forest. En plus. Enfin, une honte, quoi. Et voilà, on a fait de la plateforme quotidienne. Une plateforme par jour vous garde en bonne santé. C'est pas vrai. Je vous avais déjà expliqué que l'éclairage d'une zone de 13 par 13 est parfaite. Et le centre est là. Dommage. À un bloc près. On est bien centré là ? On est bien centré. On est bien centré ? Attendez, le boss du centrage a du mal là. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Oui, bah oui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oui, c'est bon, c'était bien centré, c'était juste une case à côté. C'est pas facile de regarder le centre sur de la dirt. La dirt, ça donne cette espèce d'effet très... Du coup, j'étais en mode combien on a produit de courant, mais le courant, on est bien. On est bien. Qu'est-ce qu'on fait là? Ah oui, il faut une smelterite, c'est mal. Quoi et pourquoi? Pourquoi vous m'avez menti du coup? Le chat, j'attends des explications. C'est assez chaud. Bah oui, c'est assez chaud. Sinon, ça aurait mis température is not the bonne température. C'est que dans la grosse. Ouais, c'est bien ce qui semblait que ça marchait que dans la grosse. J'ai voulu croire le chat. J'ai voulu croire le chat. D'ailleurs, Light, tu savais un truc insane? Est-ce que tu vas apprendre un truc insane, Light, toi? Tu savais qu'à tout moment, sur cette chaîne Twitch,
On banne les gens même s'ils sont sub. Non, je tenais à te le dire comme ça. Pas que j'ai quelconque envie de... Hein, mais je te dis ça comme ça. À tout moment, je t'ai radis. Ah, je suis au courant. Ah, d'accord. Ça va. Du coup, il me faut du... Oh, ça me dégoûte. Du coup, vous êtes au courant qu'il me faut du Groot et tout, là? T'es au courant de ça? Vous êtes au courant que je suis dans une sauce... Elle est mine de sauce, là. Genre bien, hein. Bien, la sauce, hein. Je s'appelle Groot, hein. En plus, c'est même pas moi qui ai dit pour la cobble. Pourquoi tu fais genre t'es innocent? Pourquoi tu dégoûtes comme ça? Je te vote quoi? Je peux grind du bacon? Oui, tu peux grind du bacon. Ah ouais, on va faire ça. J'ai la giga flemme. On va foutre de la cobble dans le crusher. On a de l'énergie maintenant. Bon, par contre, faut sûrement passer dans une demi-heure. Ouais, repassons dans une demi-heure. Semblerait qu'on ait le temps. On n'a pas le hammer ou un truc comme ça. Bah non, on n'a pas le hammer, on n'a pas avec Snilo. Bien sûr que non, du coup. Quoi ça? Forging hammer. D'accord. Stone hammer. Putain, mais la gueule des items, quoi. La tronche des items, c'est... délicieux. Alors du coup... Ah mais c'est long. On va faire des arbres à sable. Mais l'arbre à sable, il faut vraiment que je le mette. Mais j'attends d'avoir applied. Quand tu auras applied, on discute de l'arbre à sable. Vous savez que je suis en train de me dire, enfin je suis en train de réfléchir à comment est-ce qu'on va faire le setup pour les chests et tout là. Et qu'il n'y ait pas les drawers, ça me... Restez calme quoi. Restez calme, mais le fait qu'il n'y ait pas les drawers sur notre pack, ça me donne des envies de meurtre. Presque. C'est vraiment quelque chose qui me... Les drawers, c'est tellement pratique pour tout que quand on les a pas, on le sent passer quand même. Parce que là, je suis en train d'imaginer un système pour le mettre dans Applied. Ah non, parce qu'après, dans Applied, je peux mettre un...
Oh oui, c'est bon, j'ai, mais oh. Oh, j'ai la gueule du système, mais... Hey, Psycho! Thank you very much for the sub! Thank you very much for the prime sub. Very appreciated. Thank you for the kind word. How are you doing? Oh, things on your side of the globe. We are just twerking in front of trees right now. Nothing's much. Yep. Yes, to my new for a semester. Well, I created my own company and I'm now a journalist for Millennium, writing about Final Fantasy XIV, so. Chill and comfy. Very chill and comfy. Oh, and your, like, your university is still... Oh, the scholar system is really not the same. Because, like, in France, school just started again. Really not the same timings for schools. Ah, évidemment, YouTube, hein, on s'excuse, on parle en anglais ici aussi. Mais c'est comme ça. On adore ça. Moi, j'adore ça, parler anglais, donc c'est tout bénef. Puis ça vous fera réviser. Voilà. Ça vous fera réviser votre anglais, le chat. C'est important de travailler son anglais. Les gens qui ne travaillent pas leur anglais, ils sont mauvais. C'est comme ça. Et ne pas parler anglais en 2020 pour trouver un travail, c'est une blague. Il faut parler anglais pour trouver du taf. Enfin, du moins, si vous avez un taf, un minimum. This is something to me. My audio just bugged out and I accidentally ripped my headphones out. I was just saying that the scholar system is quite different because in France the school just started again. Like the back to school was a few days ago, or last week. Yeah, last week. So yeah, cool that you managed to... end with all the work you had to do. And for my side, I created my own company, and I'm a freelance worker for Millennium, so I'm just a journalist, and I'm writing about Final Fantasy XIV, so... chill and comfy. Thanks. Yeah, it's really good. And we broke the... I can't say the number, but there is a lot of zeros mark on my article too. So that's a big milestone in the thing. Because I started the portal, the Final Fantasy portal, when I was an intern in the company. So I just kept me to continue with that portal as a freelancer. So now I'm just like, yikes. Pourtant tu l'as dit sur Discord. Ouais, mais le truc c'est que entre deux, on m'a dit t'as le droit de le dire comme ça, mais quand c'est des publics réduits, je sais qu'il y a moins de monde sur le stream, mais du coup, maintenant je le dis plus. Mais vous l'avez vu sur Discord, le chiffre est disponible sur Discord. YOLO. I have a complicated deal with my own, but I had an online exam during which my internet cut out, so I need to retake that exam on the 26th of October. Like, damn. When was the exam? The original one? C'est le drain. Ça. C'est le contrôleur. Il me faut un tank.
Le tank, c'est quoi déjà? Tweaks ago, I'm surprised that there's so much time between the original and the retake exam. Yeah, I don't know how the system works for you. But like in France, the exam were like at the end of July, and if you missed them, you would have to wait for early September. So it's quite the same, I guess? About the same? A few days interval. But like October seems really late for the global, you know, school thing in general. Because the back to school used to be just in September, even for the university in France. Having to wait that much seems awkward. And that's a lot of time with doing pretty much like nothing for the uni and having like to think about the exam coming. So that's quite a... Because like, it's not like you can just chill out and do whatever you want, because you still have the exam on your mind, like, hey, by the way, in 2 weeks I have the exam that I hope will go well this time and things like that. That's yeah, kinda sad. You think that's the same, but if it's like the end of October, I saw it, I think my new semester has already started then. Yeah, that's the thing. That's the same like in my uni when someone had to take another exam. So they came for the first lessons in September, but they were like, I still have an exam for last year in like a few days. And so they come to like to the classes to not miss anything, but they're like not sure if I will be there anyway because I still have an exam to validate the first year. So yeah, kind of weird. Yeah, I think that's how things work anyway, so... I guess wherever you are, that's the same in the end. Kinda. Was easier in high school and things like that. You knew straight away if you passed or not, and you were like, that's it. If you had to retake an exam, I think it was a few days. And then you retake the exam and you know straight away if you're going to next year. High school was nice. Désolé le chat, moi vous savez. Non mais, j'adore parler anglais. Et en plus de ça, si on parle de trucs intéressants, moi je m'emballe. Hein. Moi vous savez. Ça va qu'on n'a pas beaucoup de viewers espagnols. Parce que sinon, c'est la même en espagnol, on est parti. Hein. On fait la même en espagnol quand vous voulez. Just believe that I got in contact with my professors and told them about my situation and did not get like a failed exam. It just doesn't count. Yeah, okay. So I told them, everything was so much simpler by then. Yeah, definitely. Because you were like, I think. The best thing about high school was like, if you missed a day of school, you were like, just make your parents or your legal tutor sign the thing and here you go, back to school. In the uni, if you miss more than the acceptable amount of days, that's starting to be ugly. J'avais plus de mal à comprendre, j'avoue. J'imagine bien. Et YouTube, là, YouTube en PLS. On avance, on fait d'autres trucs en même temps. Hey, je suis en train de crafter du Groot. Vous pouvez me laisser meubler en anglais pendant que je coupe du Groot, ok? Calamba. Aucun problema. Ton accent me détend. Alors déjà, en espagnol, c'est aucun problema. Parce que problema, même si c'est un problème, c'est un problema en espagnol. Ça n'a aucun sens. Mais c'est comme ça. En espagnol, c'est un problema. D'accord? Yes, c'est comme ça. C'est l'espagnol. Ah putain, c'est un E. Ah pardon. De loin, j'ai cru que c'était un O. On s'excuse. Ah, et mon accent te détend. Et bah, le plaisir est pour moi. But yeah, because that's quite nice that they were just like, yeah, whatever, just take it for the second time. Well, take it for the second time in 2 months or something, but... At least you can take it again. I had something like that once in university too. It was like I just
I just skipped classes. And I realized after skipping classes that it was an exam today, for that day. And I was like, oh, that's ugly. And the teacher was like, just, yeah, you decide on another date and you just pass the exam again on that date at the end. But it was like, it's not like, you know, a final exam. It was like the kind of exam you do twice or three times a semester. I don't know how you call that in English though. In French it's control continu, but I don't know how you call that in English. Continuous. Yeah, I wouldn't know how you call that. But it's the kind of exam you can have like every 2 months or something during the semester. Just also I thought I couldn't take one exam a year because I got super sick like 6 weeks straight and hospitalized and 2 weeks in the way. I missed so much classes. Two of my profs were nice enough to just let me on my term paper regardless, and I focus on my own topic. But one prof said no can do. You can't miss more than 3 sessions per semester in this class. Rules are rules. Yeah, that's kind of sucks. But like, if you were hospitalized, you get like the paper and things like that. You can get in touch directly with the school and get that sorted, right? I'd imagine so. On est en positif de Bacon. Juste que vous soyez au courant, nous sommes en positif de Bacon. Et je suis heureux. Voilà. Générer du Bacon en rap, c'est je suis heureux. D'ailleurs, le chat, j'espère que vous comprenez ce que je dis. Est-ce qu'il y en a qui trouvent que mon accent est compliqué à comprendre? N'hésitez pas à me le dire et je parlerai moins vite en vrai. Perso, je comprends tout, ça passe aussi. Nice, ça fait plaisir. J'espère juste que j'ai pas trop un accent de Robert français avec son béret et sa baguette. Quoi. Pour avoir interagi avec des packs, je peux te dire que c'est clean. Pas yes. Par contre, je vais devoir me give du boron JPP de ma vie. Bah non, Light, en fait, c'est de la triche. Tu vas dans la Twilight? Yeah, but the uni doesn't care if you have a doctor or not, or even an admission paper from the hospital. You can miss 3 times in your winter semester, and that's it, sadly. Some people tend to take the 3 weeks at the end because you can miss them without having to explain yourself and miss session prior. Damn. That's kind of weird though. Ah. Et bah c'est quoi le problème là, Ito? Ah, la pluie te tue. Et bah faut que tu fasses un pont dans l'autre sens. Faut que tu fasses un pont dans l'autre sens et tu cherches une autre île dans le biome, c'est tout. C'est comme ça. T'es niqué, mec. Mais t'es like, psycho, that's bizarre. Like, where are you from exactly again? Are you from Germany? Yeah, that's what I thought. I was pretty sure you were from Germany. So like, Germany works like that in terms of university, like attendance in university. That's really weird. Because we always say like, Germany is so great, Germany does that, and Germany doesn't allow you to be sick at school. That's kind of weird. Because like in our uni, if you miss more than 3 classes and doesn't have an excuse for like a doctor or something, you get fucked pretty hard, that's for sure. Because if you miss more than 3 classes, you can't pass any exam, etc. You
always go into September's like retake exams. Even if you attend all the other classes, you're doomed. But for the rest of the time, if you have like a paper from a doc or something, you're pretty clear. Like classic, I would say classic, but it seems like it's not the case everywhere. Damn, I would be fucking Germany then, because I'm always kinda playing with my ascendancy, to be honest. I'm kinda always like very gray zone in terms of ascendancy in general. Je vais aller en créa pour chercher BX Tortue. Et bah super. C'est honteux. Les Lost Cities, ça marche comment ça? Comment on a fait les Lost Cities comme dimension? Ça a l'air rigolo. J'ai très envie d'aller essayer. Attends, non mais attendez, oui, nick. Nick, parce que là je vais faire 6 pages pour trouver l'item que je veux. Mais en vrai je suis en train de faire masse de Groot là, mais je devrais être bon là, non? Parce qu'en vrai il m'en fallait pas une bien grande. Bon. ¿Cuántas personas para hablar en español durante el resto del stream? Je rigole, pas d'espagnol, je rigole. Même moi je suis trop rouillé en espagnol pour faire ça. Le chat. Est-ce que c'est le retour de la canne à sucre qui ne s'arrête jamais? Est-ce que c'est... C'est celle-là? C'est celle d'Apothéosis? C'est la canne à sucre infinie? Celle qui monte jusqu'au taureau? Yes, le retour! Le retour! Dans cette mission, tu récupères les minerais pour les transformer en ciblier. En quoi? As my last uni works like that, we have another uni near me. They didn't accept my application. That doesn't check attendance at all. It's basically illegal for profs to check attendance there. I don't know how the students get that though. I'm someone to skip classes generally, I attend many classes even if I manage, but it sucks. I don't wanna risk getting other people sick. I have to go to the medical time while being sick because I couldn't afford to make it more sick there and so on. Yeah, I see the thing, yeah. Can definitely see that. I went to classes like once because I already skipped everything and I was like sick as fuck, but I still went there and I stayed in the room for like 5 minutes. I just waited for the paper to come to me to sign it and I left because I was too sick. And I... That went okay. Nobody said anything and I was like, well, I'll take that. Alors, on avait dit qu'on n'avait pas besoin de faire les coins-coins, évidemment. Mais là, j'en vais la faire trop grand encore. J'ai encore les yeux plus gros que le ventre, comme d'habitude quand je fais une smelterie, quoi. De toute façon, moi, c'est toujours la même merde. Je suis toujours un enculé quand il s'agit de faire des smelteries. C'est toujours un problème et à chaque fois, je finis par me plaindre parce que je suis un con. Comme d'hab, quoi. Ah, en cyborg. D'accord. Ne t'excuse pas, t'inquiète. Ok, il a sucked. Psycho. Well, at least you can pass it again and hopefully you're done with it. And is it like your last year of uni? Are you done after that? Night to me, she was super sweet, she set us up. She asked me if I was fine because I looked sick and I said no, I'm sick but I missed too many classes and she just gave me the attendance list before class started, let me sit and told me to go home and get some rest. Yeah, best teachers. That's the kind of teachers that we need to get more of them. Definitely. Well, the best teachers are the ones that even if they have to, they don't do the attendance list.
These are the best. But yeah, that was nice from her. If only every teacher was like that. Ok, on peut faire ça tranquille maintenant. I didn't get two glasses because my uni is too full. So I have to take one extra semester during my bachelor. So I have 1.25 years to go until I get my bachelor degree. And then I need two more years for my master's. Ok. Yeah, so you're basically like taking quite the same like curriculum as I did, because I did like, so you call that a bachelor degree in English, like the thing that's go, you, yeah, yeah, but basically it's the same thing, because you have like the bachelor when you are like 17, then you go to 3 years and you get your degree, and then 2 years and you get your master, and that's like bachelor plus 5 in the end, right, something like that. Degree plus master plus 5 years. Yeah, I think that's the same. Same in Switzerland? No. At least we have that works the same. Et donc cette canne à sucre va monter jusqu'au bout de la galaxie. Il nous en faut une deuxième. Comme ça on fera la course. La fameuse course à la canne à sucre. Pose-toi et respecte-toi. Merci. Yay. Ah oui, je dois me demander pourquoi j'ai besoin de lave. Disgusting. Très bien. Des torches. Évidemment, j'ai pas torché. Parce que je suis un bolos. C'est bon à niveau torché? Ah non. Yikes, mon éclairage parfait. Terrible histoire. Ah mais je sais. La torche est là. Yeah. Ah, ah c'est honteux. Tant pis. Ok. Donc ça c'est good shit. Maintenant il faut faire le reste. Notamment la plaque. Into le faucet. Parfait. Personally, I think it's similar, yes. Bachelor degree is like the smallest of all degrees. It's usually first 3 years of uni. Then you write a bachelor thesis and then you either can take it and apply to jobs that just need bachelor degrees specific field, or just continue studying 2 more years and you get a bachelor, your master after finishing your master thesis at the end. Yep, same. Yep, yep, yep. That's the same thing. So here we call it like licence, which is the equivalent for degree, and then master, the master. We just don't put like the bachelor before degree. But like even completing a degree in itself, like bachelor plus 3 years, is quite something in general. There is not that many people that end up doing the whole 3 years. Du coup, c'est bon, on peut faire apply le chat. Enfin, on peut faire apply. Inch'Allah, on peut commencer là. Pourquoi j'ai un dirt sur moi? Pourquoi j'ai un dirt? C'est quoi le raisonnement derrière le un dirt que j'ai? Ah là, oui, pardon. Oui, c'est j'ai. Mais du coup, ça existe bac plus 3 en France, qui serait l'équivalent du bachelor. Ah oui, la licence.
En France, tu fais... En France, t'as... Bac plus 2, c'est le... BTS. Bac plus 3, la licence. Bac plus 5, le master. Tout simplement. Bac plus 8, le doctorat. Nique sa mère. Et après, il y a des bacs plus 1 aussi, avec les spécialisations. Il y en a pas mal en hôtellerie, par exemple. En hôtellerie, les mentions complémentaires barman, par exemple. Ce genre de choses. Il avait dit que prépa plus master, c'était bac plus 5, et puis ça prenait 5 ans à faire. Donc je pensais qu'il n'y avait pas d'équivalent. En fait, le truc, c'est que la prépa, t'auras beau avoir fait une prépa, t'as pas de diplôme en prépa, quoi. T'as fait ta prépa, quoi. Je crois pas qu'ils te donnent de licence à la fin d'une prépa. Hein. Je crois que techniquement, sur le papier, ta prépa, elle vaut que dalle, en réalité. Si je ne m'abuse. C'est pas obligatoire, bien sûr que non. Les prépas, c'est quand tu sens que t'as pas les capacités nécessaires pour directement faire la suite. Pardon, bien sûr. Bien sûr. La suite. Alors c'est sûr, il y a tous ceux qui ont fait des prépas, hein, mais c'est des prépas quoi. Après. Quelle heure il est? Il est déjà cette heure là. T'en passer une vitesse. Sur le papier, c'est pas un diplôme. Mais je prends un papier qui me dit que j'éclaire la mienne. Yes. C'est la définition. Y a pas à avoir honte ou quoi. Non, y a pas à avoir honte de faire une prépa, hein. Pas de problème. Hein. J'en fais ce qu'ils veulent. Hein. J'en fais ce qu'ils veulent. Hein. Carl Fion. Bon, déjà, faut commencer par faire 4 trucs comme ça. Donc il me faut un machin, donc il me faut une chisel head. Donc il me faut... Oh putain de merde, il me faut tout le... Oh, faut la table et tout, là. Oh non, hein. Stencil table, mes couilles au bord de l'eau. Oh, c'est pas correct, hein. Oh, la mort du modé, hein. J'avais du temps dans la vie, du coup j'ai fait une prépa maths. Pourquoi me direz-vous, j'aimais bien les maths et je savais pas quoi faire après mon bac. En fait, la plupart des gens qui font prépa, j'ai l'impression qu'il y a deux scénarios. Soit c'est parce qu'ils veulent sucer des bites, aller dans des grosses écoles avec un gros nom qui au final devant un employeur ne sert plus à rien parce qu'on n'est plus en 1990. Ou alors, c'est des gens qui savent pas quoi faire et du coup ils prennent leur temps et ils font une prépa. Et dans ces cas-là, j'ai aucun problème avec eux. Par contre... Si tu te la joues comme mon ex, où tu veux exactement aller dans une école de commerce spécifique pour montrer à tous tes futurs employeurs que insane, tu as une école insane, mais ça se coûte à zéro compétence. C'est juste que t'as appris comme un bon lapin et un bon mouton tes leçons. Voilà. Après, ça peut être une satisfaction personnelle de faire des écoles difficiles. Alors, c'est pas parce qu'une école demande d'avoir fait une prépa que l'école est difficile, par contre. Par contre, du coup, ça marche pas comme ça, malheureusement. Mais... Ce qui est garanti, c'est que les profs pèteront pour la plupart plus haut que leur cul, mais ça, c'est un autre problème. J'ai plus de place, du coup, à mettre ça là-haut. Putain, j'ai mis autre chose que de la merde dans le coffre à sub. C'est honteux. Ou comme moi, on te laisse pas le choix, aussi on va sans demander ton avis, c'est aussi valable. Bah nice, Tatane. Il y a des cours qui sont plus difficiles que d'autres, je parle pas de prépa ou quoi. Ah oui, non mais c'est sûr. Mais
Moi, je serais prêt à parier que une bonne vieille fac gratos sera plus dure que 70% des écoles privées. Parce qu'il y a tellement de monde à gérer et les profs ont tellement le seul et simple objectif de virer le plus de gens possible pour faire de la place que les facs en France, il y en a plein qui sont plus difficiles que des prépas. Quoi. Puis, de toute façon, c'est simple. Hein. Mais il y a des trucs tout bêtes. Exemple parfait. Mon ex, elle était du coup école de commerce, comme je vous l'ai dit, pour du commerce international donc. Elle était en prépa, j'étais au lycée. Niveau d'anglais, elle était bonne. Forcément, elle avait été aux États-Unis, donc c'est facile. Pendant longtemps, en échange. Par contre, espagnol, commerce international, pipe pas un mot d'espagnol. Était en mode, t'es dans une école à 10 000 euros. École à 10 000 euros l'année et ils t'apprennent pas l'espagnol. Quoi. Yes. Yes, l'e-sport. L'e-sport, évidemment. Yes. Alors que chez moi, on attendait de... chez moi, on est arrivé première année, premier cours, on te dit bonjour, il faudrait que tu aies le même niveau pour passer cette année, pour passer ta première année, il faut que tu aies le même niveau en espagnol qu'en anglais. Et toi, tu regardes la prof et t'es en mode... Combien ? Combien ? Parce que c'est les mêmes examens et ils ont le même nombre de... le même coef. Combien ? Alors là, tu regardes le truc et t'es en mode... Oh, on est mal, là. Oh, les gars, on est mal. Tu regardes les autres élèves qui ont aussi débuté aujourd'hui et t'es en mode... Oh, on est pas bien, là. Eh, il fait pas... Il fait pas bon vivre, ici. La giga sauce. Trop marrant. Et puis, t'arrives en chinois, en cours de chinois, parce que tu t'es dit que c'était une bonne idée. T'es là, en cours de chinois, t'es posé. Premier semestre, t'es le boss, parce que c'est du pinyin, et t'es trop fort avec les langues. Du coup, tu roules sur le chinois, et t'es en mode dab, dab à droite et dab à gauche. Parce que tu défonces la planète avec le chinois en pinyin, t'as des 17 et tout, t'es posé. Et là, t'arrives au deuxième semestre, tu changes de prof, et la prof te regarde, elle fait... Il y a trop de monde dans ce groupe. Premier examen de l'oral. Et t'en... Ah, merde. Ah, c'est con ça. Ah, c'est ballot ça quand même. C'est pour ça que moi j'ai toujours bien arnaqué là-dessus. C'est pas à dire. Comment, je sais pas trop, mais l'école polytechnique par exemple, c'est pas évident. Ouais, mais l'école polytechnique. L'exemple parfait. L'exemple parfait des gens qui n'ont pas un travail plus tard par leurs compétences, mais parce qu'ils se sont fait pistonner par les gens qui leur ont payé l'école. Je connais quelques noms. Je peux faire une liste assez longue. Ça va. Avec papa, on connaît des gens. T'inquiète, c'est... T'inquiète, polytechnique et... Et Saint-Cyr, on connaît. Entre les deux, là, je sais pas laquelle est la pire entre les deux, mais... On connaît bien. C'est pas... Non, ça va. On est... c'est pas mal. Salut YouTube, by the way, hein. On discute de trucs qui n'ont rien à voir avec Minecraft, mais on avance, on fait nos trucs. On arrive sur le Boron, là, d'ailleurs, on va pouvoir faire nos mélanges. J'en connais aussi, hein. C'est pas des gens avec qui on veut vivre, ouais, mais non, ça c'est sûr, hein. La plupart des gens qui peuvent aller à Poly, c'est le taf qu'ils auront plus tard. Bon, bref. Salut Nara55, bienvenue. Bonsoir. Très mignon ce Pikachu. C'est un très mignon Pikachu que tu as là. Un Pikachu très mignon. Mettons les mots dans l'ordre. C'est important les mots dans l'ordre. C'est le défaut de parler trop anglais trop souvent, ça. C'est mauvais pour le français. C'est des mots de Prime. Ah ouais, c'est honteux. Ah oui, c'est vrai que Prime, maintenant, ils font passer du Pokémon, donc logique. Logique enough. Après, des fois, c'est compliqué. Mon frère veut faire astrophysicien et il n'a pas beaucoup de choix en Suisse. Non, mais bien sûr. Non, mais je dis pas. Il
faut pas généraliser. Je dis pas que tout le monde à la Polytechnique, c'est des connards. Je parle des non-boursiers et des gens qui y sont en mode tranquille, quoi. Après, voilà, en Suisse, c'est différent. Mais... Salut. Et putain, les Pokémon, au secours. Pendant que nous, on attend toujours que Twitch valide nos emotes. Hein. Même les non-boursiers, il y a des gens bien. Oui, mais bien sûr, je généralise pas, mais... Faut pas dire que quelqu'un a de l'argent, c'est forcément un con. Ah non, mais alors là, par contre, il faut connaître le personnage à qui tu parles. Ça va, non, c'est... Oui, d'accord. Très bien. Ah merde, je me suis trompé de truc, là, non? J'ai fait de la merde, non? Ah, c'est dans un inscribeur! Ah oui. Je veux dire, bon, pour parler de j'ai pas d'argent, ce serait quand même se foutre de la gueule du monde, parce que j'ai un papa qui m'a toujours bien pistonné niveau pognon, quoi. Hein. Donc, je suis le premier à dire que, justement, je suis le premier à dire que, justement, c'est pas parce qu'on a de l'argent qu'on est péteux, donc rien à voir. Mais ça, c'est le problème des gens qui connaissent pas, ça c'est toujours le souci. Mais t'inquiète pas, c'est pas grave. C'est pas grave, y'a aucun problème. C'est juste que sur les 10 gens que je connais qui ont fait poli, bon. Et mon papa, sur les 10 gens qui connaît qui ont fait poli, bon. bon bah. Voilà quoi. C'est ce que c'est quoi. Je dis pas que tout le monde qui a fait poli sont des connards, je dis juste que. Ceux que je connais, qu'on fait poli. Connard. C'est un problème. Ah, c'est bien ça. Et alors, je connais pas ce craft, mais je l'aime beaucoup. Maintenant, je l'aime beaucoup, ce craft. Ça a l'air d'être un craft très sympa. Je l'aime beaucoup. Moi, c'est l'inverse. J'ai des parents qui auraient pu me pistonner. Non. Hein, bah, du coup, c'est pas l'inverse. Je veux dire, moi, mon père, il aurait pu me pistonner. Enfin, je veux dire, on est sur des stades de pistonnage qui sont... je veux dire, bon. ATM, avec juste, d'ailleurs, avec juste ma licence. Hein. Avec la licence et papa, j'aurais très facilement pu être gradé dans l'armée à une vitesse. Ouais, c'est grâce à mon pote, pas vitesse. Ah oui, d'accord. Oui, non, mais moi, mes parents m'ont pas pistonné non plus, du coup. Du coup, c'est pas vraiment l'inverse. Ah, mais tu veux dire par rapport à l'inverse de Poli? Yes, tout à fait. Bon, mes parents, c'est moi qui les ai foutus dehors, entre guillemets. Bon, je les aime beaucoup, hein, mais c'est juste que moi, je suis arrivé à 15 ans et je leur ai dit bonjour, je vais en internat tout seul pour aller faire de l'hôtel de restauration. Et ils m'ont regardé, c'était en mode... Allô? Qu'est-ce que tu racontes? Bah, quoi? Allô? Qu'est-ce qu'il a dit, chérie, là? Je crois qu'il a dit une connerie. Trop marrant. Vraiment trop marrant. Ils m'ont menacé toute mon enfance que si je faisais de la merde, ils me mettraient en internat et c'est moi qui suis arrivé et qui ai fait. Ah, salut. Je me barre. En fait, j'en ai râle. Trop marrant. On a déjà parlé de toutes ces histoires-là, on les connaît. On les connaît par cœur, ces histoires d'internat. Comme la fois où les gens avaient scotché toutes les sorties pour faire une piscine intérieure au quatrième étage. Allô? Allô? Allô, la piscine intérieure? J'aurais kiffé aller à l'internat. Tu penses que t'aurais kiffé aller à l'internat. Mais quand il y est, bah c'est pas sympa tous les jours. Il y a des jours où c'est cool. Mais il y a des jours où t'es pas content d'être en internat. Il y a des jours où tu te dis putain, voilà, je serais bien resté à la maison. Mais c'est majoritairement fun.
Il y a plus de bons moments que de mauvais. Le seul truc qui est chiant, c'est quand, quand tu rentres à l'internat le dimanche soir et que du coup la moitié de ton week-end est baisé. C'est chiant. Non, ça c'est chiant. Ça c'est le pire. Ça c'est trop trop relou. Tu commences les cours le dimanche soir, quoi. C'est ça cassé. Ça c'est le pire. Mais à part ça, non, il y a plein de trucs qui sont cool à l'internat. J'ai plein d'histoires, moi. Est-ce que je vous ai déjà raconté la fois où à l'internat, j'étais posé chill avec les potes et on s'est fait chauffer des knackis sur des plaques de cuisson électrique dans la piole. On a parlé de ça ou... Est-ce qu'on en a parlé de ça? Ou de l'histoire où un mec que j'aimais pas était venu dans ma piole et avait vidé du shampoing et du savon sur mes draps. Un dimanche soir. Donc déjà ma semaine était baisée, ça venait de commencer. Et bah après avec des copains on s'était vengé. On avait pris tout son linge. Pardon. Tout son linge. Tout son matelas. Sa couette. Tout. 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 Et on avait foutu ça dans une douche. Et on avait bloqué pour que le bouton reste appuyé. Quand il est remonté dans sa piole. Ah. Oh, l'e-sport. J'ai des potes qui avaient planqué un appareil à raclette dans le faux plafond. T'inquiète, je connais. Ah bah de toute façon, les bails sont de planquer des trucs. C'est que... il y avait de la moquette au mur. Oh, par contre, hey, si la CPE, tu m'écoutes. J'ai rien fait. Je suis témoin, mais j'ai rien fait. Je dis ça, mais si, je l'ai fait aussi. Il y avait de la vieille moquette qui était absolument pas réglementaire sur les murs. Tu craquais une allumette, tu foutais le feu au mur. C'était à 100%, tu foutais le feu au mur. Et nous, ce qu'on faisait, c'est qu'on foutait du déo. Ah, mais rien que d'y penser. On foutait du déo sur les murs. Et après, on allumait au briquet le déo. Et ça faisait fondre la moquette plastique et ça la faisait cramer. Et du coup, ça laissait la trace au mur. Le nombre de phallus qui ont arboré les murs de cet internat. Incroyable. Ah, de très bons moments. De très bons moments d'e-sport, évidemment, à l'internat, mesdames et messieurs. J'ai vu, je sais qui c'est, mais je dirais rien. Le tiger des débiles, là, c'est un peu ça, ouais. Ça, ou les vieux bails de coups de ceinturon. Ah, je dois avoir une photo sur mon PC, mais j'ai la flemme de la chercher. Mais, mon camarade de chambre, qui s'appelait aussi Julien, un jour, il a cassé les couilles ceinture en cuir, de ma ceinture en cuir de costard. Un giga coup de ceinture en cuir. Il avait une trace rouge qui faisait du bras jusqu'au bout, au milieu du dos à peu près. Et sur les deux côtés, le centre était rouge et les deux côtés étaient noirs. Enfin, noir, rouge très sombre. Et j'étais en mode... Et après, il s'est regardé dans un miroir et il m'a regardé en mode. S'il y a qui que ce soit qui le voit, une sauce. Ah, de grands moments d'histoire. De grands. C'était un donjon. Oh non, ça va, tout va bien. Il n'y avait pas de photo de pied. Aucune photo de pied n'a été échangée sur cet internat. Sûrement pas. Pas ici. Évidemment. Mais du coup, maintenant que je sais qu'il y a de la gente féminine dans le chat, il faut évidemment calmer nos propos. Je suis connu pour être family friendly et très gentleman. Gentleman, c'est vrai. Family friendly, c'est un mensonge. Family friendly, c'est un mensonge. Gentleman, non, sûrement pas. Même si en 2020, la moitié de ce que tu fais quand t'es un gentleman, on te clash ta grosse mère en disant que t'es sexiste, je fais de mon mieux.
T'as cru parce que je suis une femme, je connais pas de gros mots et je parle jamais de trucs salaces. Bah tu chies des arcs-en-ciel et tu pètes des papillons, non? C'est pas comme ça que ça marche, une fille? On m'aurait menti toutes ces années? C'est honteux. Bah et de ouais, boire du champagne dans un mug, expérience, hein. Faites-le chez vous. Non. Je respecte tellement pas la bouteille que j'ai achetée. Mais bon, c'est pour fêter les 1 million. J'ai pas dit de chiffre. On s'excuse. On s'excuse, ça a slipped. I have slipped. Une princesse vénérée, ouais. Bah yes. Mais du coup, Nara, je m'excuse hein, si c'est pas le cas. Mais, est-ce que c'est la première fois qu'on voit Dom Solo dans ce chat? Parce que j'aime bien saluer mes nouveaux viewers et viewers. Mais je ne sais pas si c'est la première fois qu'on te voit ou si je suis juste un connard qui est oublié. Ça arrive souvent. C'est souvent la deuxième, hein, d'ailleurs. Oui, sûrement. D'accord. Et du coup, question que je pose souvent aux nouveaux viewers. Comment as-tu trouvé le stream? Ça c'est le marketeur qui est en moi. Le marketeur veut savoir pour pousser les axes de communication qui fonctionnent. Pourquoi j'ai encore ce gâteau de mort? Pourquoi j'ai un de bacon qui traîne? Mon inventaire c'est toujours le bordel, ça te dit quoi. Enfin quoi qu'ils sont bien rangés, mais... Ça on s'en fout. Ça on s'en fout aussi, non? J'ai vu de la lumière, je suis rentré. Allons, valide. C'est un argument valide. Petit fichier Excel. Et bah yes. Bonsoir Sarasaf. Des bisous. Bienvenue. Ouais, je voulais mettre un stream Minecraft avec peu de viewers et qui fait pas de PVP. Bon endroit. Je dirais pas le meilleur, mais pas mal. Il y a des cas dans le chat. Mais... Par contre, on se donne mis un truc maintenant que je le regarde. Non, sûrement pas. Vite, vite, faut dodge. Il faut arrêter le stream maintenant. Viewer est un argument de vente, c'est un souci. C'est vrai. Tu peux pas ramener de nouveaux viewers et rester à 3 viewers. On a un problème. La stratégie est en flow. On est mauvais. On est mauvais sur le move là. On a un problème. T'as pas fait des trucs avec Pierre? Non. Kramed et merde. Telle histoire. Allez salut. Et merde. Y'a pas de drawer sur le pack. Non. Cacher les vidéos, c'est aussi FTP. En gros, j'ai géré le. Mais non, arrête. J'ai géré le clan d'Hypierre sur Clash of Clans. Et j'ai fait FTP, KTP, j'ai tué Hypierre dans un KTP, j'étais avec Fukano. J'ai fait du Top Gun avec Sky, enfin tout ça. Les bails. J'ai encore Xari en ami sur Steam et du coup quand il lance Mafia à chaque fois il me fait marrer. Avec Zerator dans un Top Gun aussi. C'est vrai qu'on a fait un Zerator Top Gun. C'est notamment celui où je tombe de la faille et que Zerator me lâche. Ça va? Il se retourne, il va mes HP. Oh non, ça va pas. Moment iconique de cette chaîne. J'ai pas pu m'empêcher de rire à cette vidéo pendant je ne sais combien de temps après l'avoir regardée. Insane. On rigolait bien, hein. C'était sympa.
pas vu ça. T'as pas vu ça live? En gros, je suis dans une faille juste au-dessus de Zera. Et il y a un creeper qui pète et en pétant, il me fait tomber. Et lui, il avait juste entendu le creeper faire boum. Et du coup, il fait ça va? Et au moment où il fait ça va, je m'écrase à côté de lui et il me reste genre un demi-cœur, un cœur et demi. Et du coup, il se retourne, il va m'achever. Il fait oh non, ça va pas. C'était incroyable. Je sais plus quelle saison c'était, mais c'était trop marrant. C'est comme la saison où j'étais très surpris parce que Skyheart me voulait dans sa team. Et il est arrivé et au moment de faire les teams, il me DM et il fait BX, viens. On a fait de la merde cette saison-là. De mémoire, on n'a pas fait grand-chose. De mémoire comme ça, je crois qu'on n'a pas fait grand-chose. Après, la saison, je crois que c'est la même. Avec Xari. Xari, la taupe. Ou avec Fukano, on s'est planqué dans un mur du Nether. Et on est resté planqué dans le mur. Pendant genre bien 2 minutes en sneak. Dans un bloc par un bloc. C'était incroyable. Bah yes, il y a un mot de ban sur cette chaîne. Il y a quelques mots qui sont ban, ouais. Pour la chemise ouverte. Ça va, c'est raisonnable, hein. J'ai mis Famous. Bizarre ça. Je sais pas. Et les Metal Crate, je crois qu'il n'y a pas non plus. Aussi raisonnable que Scare. C'est vrai que c'est un point que nous avons peut-être en commun. Non, il n'y a pas non plus. Ah si, Metal Crate. Oh. Ça a l'air très moche, mais si ça marche. Ok, merci du conseil. Il est toujours ban le minerai jaune. Oui, le Yellorium est toujours banni de mon chat, évidemment. Personne qui me casse les couilles avec du Yellorium est évidemment banni. C'est normal, c'est legit et c'est justifié, évidemment. Ça fait combien d'années que le Yellorium est banni sur cette chaîne? Un paquet? Ça. Ça doit bien faire 4 ans que le mot est banni du chat, hein. Un truc comme ça. Hein. Bien faire 4 ans, hein, que le truc est banni de... Peut-être un truc comme ça, ouais. Alors on va faire un Alloy Furnace qui nous permettrait de faire ça sans avoir à se faire chier à le passer par le... Ah, c'est pas... Ça va casser. Ça va casser. Non, c'est... on le fera dans le système. Du coup. Ça m'a saoulé. Du boron et du style. Ah, c'est attends pour qu'il y ait quasiment de la disparition de la collection. Ouais, bah, ça. C'est old. C'est giga old. De toute façon, il est l'heure, mais la session va s'arrêter, je pense. Bientôt. Ce mode, c'est tellement un enfer. Bah, ce mode pack, c'est clairement un enfer parce qu'il y a plein de modes qui manquent. Et du coup, il y a plein de moments où t'es en train de te dire je connais la technique, je vais faire ça. Ah, c'est pas. Ah, c'est pas dispo! Ah merde! Ah, c'est chiant! Et puis à un moment donné, tu fais une super technique et t'es en mode ah ouais, je vais faire ça! Et tu te rends compte au dernier moment que ce que tu voulais faire ça marche pas. Et du coup, tout ton argent elle s'enfuit. Tout ton bénéfice, tout ce que t'avais prévu s'enfuit. Enfin bref, c'est l'enfer. C'est même pas de l'enfer. Mais ça permet aussi, derrière ça, de travailler avec des trucs qu'on n'a pas l'habitude de faire. Il y a plein de modes que moi je fais jamais parce que... grosse flemme. Et bah du coup, c'est de bonnes excuses pour le faire. C'est pas mal. Pourquoi se faire du mal et pas faire le Reina mode 5 je l'ai pas fait, Reina mode 5. C'était pas une série modée, Reina mode 5. Est-ce que je l'ai fait solo ou est-ce que c'était une saison en FTP? Non, c'est Reina mode 4 qu'on a fait en FTP, non? Je crois que c'est Ragnar Mode 4 qu'on a fait en FTP. Je crois que c'est ça. Je sais plus. Oh, trop de saisons, hein. Trop de saisons Minecraft. On fait trop de Minecraft.
C'est le 5. En FTP ? Bah du coup on l'a fait. Insane. C'était de la FTP en skyblock. Ah oui, du coup c'est fait. Du coup c'est fed. Y a pas un storage à plate du pauvre aussi, non ? Tu veux dire... comment il s'appelle la plate du pauvre ? Machin storage, non, un truc comme ça. Comment il s'appelle ? Comment s'appelle Refined storage, indeed. Well done. Non, je crois que Refined n'existe pas. Ah non, mais quand je dis que c'est le mode pack du pauvre, je suis pas en train de vous mentir. Hein. Storage war ? Non, c'est autre chose. Fais un effort. Ultra sick. Je sais pas pourquoi je continue alors qu'il est l'heure. Et que je pourrais continuer de parler avec ma nouvelle pote de photo de pied. Sortie du contexte, c'est incroyable dit comme ça. Sortie du contexte, c'est délicieux. Pardon. J'arrête. Naito. Tatano. Yasmato est pas là, mais... Êtes-vous dispo demain tôt pour un streamo MFO? Ça parle de FitPix d'un coup, j'étais pas prête. Quoi, y a des antécédents? On peut pas le savoir. Ça ne nous regarde pas. Sûrement. Ok, ça roule. On se call demain. Ça farte? Je m'appelle Brice, je viens de Nice, pas besoin de notice sur les grandes surfaces, je suis le roi de la casse. Moi je suis light ou light? Toi tu es light, light of fun. Aïe ah, you... C'est donc ça d'avoir dû... Non, j'avais fait une blague de mauvais goût mais... Non, je vais me taire. Très. Gros flow. Voilà, attends. Brice de Nice quoi. Brice de Nice. C'est à quel âge déjà? Je suis presque sûr qu'on a déjà regardé la date de ce film sur ce stream. Et je pense que la date va pas me plaire. Ah, 2005. Hein. Ouais, beaucoup trop vieux. Ah, du coup, on a dû faire Reborn. Et brûler les pieds, ça va être dur. Ça. Je suis vieille, sûrement. Nous, on demande pas l'âge des... Ah putain, il en faut 9! Du coup, faut que je refasse des mélanges. Ah, oh, ça m'a gonflé. De toute façon, c'est la fin de ce stream, mesdames et messieurs. Hein. Non, c'est bon. Hein. C'est bon. Hein. Pas payé pour faire des extras ici. Hein. En parlant de payer, n'hésitez pas, hein. Y a les subs. Hein. Alors, me demandez pas d'emotes. Allez plutôt demander à Twitch de les valider, d'accord? Parce que les emotes, elles ont été submit. Ça fera 2 semaines lundi prochain qu'on attend que Twitch les valide. Voilà, je vais éclater des mers. Mais j'ai pas le choix, faut attendre. Restons zen et attendons que Twitch valide nos emotes. Nos emotes qui, je vous le rappelle, sont celles-ci. Plus une autre, mais c'est celle de Discord, c'est le BXW, évidemment. Est-ce que vous avez pas trop envie de spammer cette petite tortue? J'ai une envie folle de spammer cette tortue. Si vous saviez à quel point j'ai hâte. Mais... Ça va attendre. C'est peut-être ultra border tes emotes. Et un mec qui a demandé à son supérieur. T'as vu comment elles sont mignonnes? Je veux dire. Elles sont quand même très soft mes images. Une crevette. Une crevette. Petite shrimp. Très bien. Bon, le jet, on s'arrête là. On se retrouvera normalement demain matin. Demain matin pour une matinale sur quoi? J'en ai pas la moindre foutrité. C'est d'une violence inouïe. La petite tortue, elle a l'air très énervée quand même. Hein. La petite tortue est quand même subjective. Hein. Terrible. Sans le gros canage de tortue magique sur Minecraft. Bah yes. Mais du coup, mesdames et messieurs, demain matin, je ne sais pas pourquoi on se retrouvera, mais on se retrouvera, normalement, si tout se passe bien. Sauf si je me suis fait couper des boules par un démon cette nuit.
Je sais pas quel pourcentage de chances que ça arrive, mais on sait jamais. Vaut mieux prévenir que guérir. Pendant que notre... notre canne à sucre, elle pousse, hein. N largeur canne à sucre, évidemment. Ou de loco dans le placard, c'est non. Mais normalement, on se retrouvera demain matin pour une matinale sur je ne sais pas quoi. Et normalement, nous nous retrouverons aussi pour un stream du soir, soit sur Minecraft, soit sur Monster Hunter. La meilleure façon de savoir qu'est-ce qu'on stream et quand est-ce qu'on le stream, c'est évidemment de regarder le planning ou de follow. YouTube, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Désolé pour l'écart qu'on a fait sur notre très cher ami, les écoles et le système, et aussi pour tout ce qui était un petit peu anglais. On a parlé pendant bien un quart d'heure, une demi-heure en anglais, et je sais que c'est pas forcément la tasse de thé de tout le monde. Si j'ai énervé quelqu'un, que ce soit pour l'un ou l'autre des sujets, et si vous l'avez mal pris, évidemment, on s'en excuse. Nous sommes toujours très second degré ici, et je sais qu'il y en a qui ont un petit peu de mal avec le second degré, et je m'en excuse, évidemment. Des bisous. Une femme et la déçue, je remercie toutes et tous d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve sur la chaîne et sur Twitter. Ah, puis like it. Ça, c'est la fin pour YouTube. Très bien. N'hésitez pas à lâcher un commentaire. Ouais. Dors avec un collier d'ail, si t'as peur des démons. T'inquiète, je suis sexorciste. Sexorciste. Il y a des gens, quand ils ont fini leur bac, ils savaient pas quoi faire. Il y en a qui sont allés en prépa. Il y en a qui ont fait une licence. Et il y en a qui sont devenus sexorcistes. À qui êtes-vous pour juger? Qui êtes-vous pour juger? Chacun ses plans. Chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, je comprends mieux tes antécédents sur les feet pick. Du coup, je comprends mieux pourquoi t'as bugué quand on a parlé de feet pick. En effet, ça fait du sens maintenant. Maintenant tout coule de source, si j'ose dire. Feet pick pour exorciser les démons. Trop en chien. C'est vrai, je suis cramé. Ah, désolé. Désolé pour la couverture, on s'excuse. Faudra changer de pseudo Twitch, du coup. Très bien, mesdames et messieurs, on va se laisser là. Je vous souhaite une agréable nuit, une agréable soirée. Je vais aller soigner mon addiction à la pêche dans Final Fantasy XIV. Quand je dis soigner, je veux dire évidemment nourrir mon addiction en allant pêcher encore plus, évidemment. Mais yolo. Ça fait depuis les débuts MXM que j'ai ce pseudo. Ah, des bisous. Bon, des bisous. J'espère vous retrouver dès demain. Et puis, je vous aime. Sauf Light. Enfin, Lighto, pardon. Enfin, si, un peu. Je l'aime un peu. Pas trop. lequel? Du coup. Ah, la confusion est réelle. Pardon, on s'excuse. C'est pas vrai, je rigole. Une nouvelle fois, mesdames et messieurs, je remercie tous et toutes d'être passés sur le stream. C'est toujours un plaisir de vous accueillir. On se retrouve sur la chaîne et sur Twitter. Ah, puis à la 4.